faites connaître parmi les peuples les hauts faits de l'Éternel. C'est autour de ce thème que les fidèles de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin célèbrent le 115e anniversaire d'existence de cette Église. Pour marquer l'événement, plusieurs activités étaient au programme, notamment les soirées de louanges. Dans toutes les églises de la région Borogo, la gigantesque caravane à travers la ville de Parakou, sans oublier la grande célébration de la messe pour rendre grâce à l'Éternel. C'est le cas ici au Temple Salem de Banikani, où la soirée de louange du vendredi 14 octobre 2022 a été une apothéose. Une grande soirée de 75e anniversaire. C'est dans ce cadre que nous sommes en train, n'est-ce pas, de célébrer une grande soirée de louanges. Et toutes les chorales de l'église, même des années, sont présents. Et c'est une grande joie pour nous de célébrer notre Dieu, de le louer. Après les soirées de louanges, place à la grande caravane qui a eu lieu le samedi 15 octobre 2022, dont le top a été donné à la place Bioguera, et qui s'est achevé au Temple Maranatha au quartier Transa. Nous savons que c'est une histoire inoubliable pour les Assemblées de Dieu, puisque ce sont 15 ans de vie, ce sont 15 ans de marche. C'est une victoire. Alléluia. C'est un combat que le Seigneur nous a permis de remporter. Il a prouvé par là que c'était sa volonté pour que l'Évangile vienne au Dahomey d'alors et le Bénin. Et nous sommes très réjouis parce que le salut n'est pas
été donné seulement aux Occidentaux, mais toute l'Afrique et tout le monde confondu. Nous avons un Seigneur qui est le Dieu universel. C'est pour cela que les assemblées de Dieu du Bénin, principalement et particulièrement, estiment beaucoup et considèrent cette 75e année que Dieu a accordé à son Église. Cette caravane a drainé une partie des fidèles venus des églises de la région Borgou. Une étape très appréciée par le pasteur du temple Maranatha qui accueille les manifestations officielles, notamment la grande célébration du culte. Nous sommes vraiment très contents de voir nos fidèles, les frères, les sœurs, les jeunes, les hommes, les femmes, très nombreux qui sont venus marquer cet événement, le 75e anniversaire de notre Église. Car si nous nous référons à 86, où l'Église est arrivée ici à Parakou, et aujourd'hui nous sommes à ce nombre, non, c'est impressionnant et nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel notre Dieu. Il y aura la cérémonie proprement dite à l'Église Maranatha, où un culte sera célébré, et au cours de ce culte, le flambeau sera transmis à la jeune génération. C'est vraiment un moment de partage de joie et d'adoration selon les fidèles. Vraiment, la fête, c'est douce. C'est très douce. On est contente. On marche pour Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il a accepté de mourir pour nous. Pour que moi, ma famille, nous soyons sauvés. Vraiment, merci. Nous sommes reconnaissants. La fête est tellement belle. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une grâce pour nous aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer le 75e anniversaire des églises évangéliques, des assemblées de Dieu du Bénin. Donc c'est une grâce pour nous. Chapitre 7, verset 8 à 22, lorsque David amenait l'arche de l'Alliance à Jérusalem, servant à édifier le peuple, le fortifier et l'encourager à renouer davantage sa relation avec Dieu. Ce cantique a été chanté par Israël. Pendant ces 75 années d'existence au Bénin, l'Éternel a fait des merveilles au sein de son peuple. L'Église en général et chaque membre en particulier peut témoigner des bienfaits de l'Éternel. À la fin du culte, marquant cette célébration, un flambeau a été transmis à la jeunesse pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Écoutez, notre petit va parler. Chers parents, nous vous promettons de continuer l'œuvre. Amen. Alors, il a pris le flambeau, il dit, il nous promet de continuer l'œuvre de Dieu. Ça s'acclame. Alléluia.
président de la région du Borgo de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, se dit comblé de joie vu la nature des manifestations de cette célébration qui a été une réussite. Je suis comblé, très content de ce que nous sommes parvenus pour la célébration de cette fête du 115e anniversaire au Bénin et particulièrement dans la région du Borgo. Nous avions vu la manifestation de Dieu parmi nous depuis le matin en passant par la caravane et jusqu'à la célébration dans l'église de Maranatha. Vraiment, nous rendons grâce. Nous sommes satisfaits de ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Démarré le 11 octobre, les manifestations du 115e anniversaire d'existence de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin se poursuivent. Rendez-vous donc du 4 au 5 novembre à Natitengo et du 16 au 19 novembre sur le site Tatongon à Cotonou. Bonne suite de célébration sous l'onction divine du Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.